chaos comme ça. Tu comptes faire quoi, hein? Alors Léo, que s'est-il passé? Elle est morte à 19h30. Je le sais parce que la première chose que j'ai vue en rentrant dans l'appart, c'est l'horloge. C'était un soir d'hiver. La nuit s'était abattue sur elle pendant mon absence. Tout était noir. La nuit, son sang. Lui. Il t'habillait tout en noir, et pourtant je l'ai pas remarqué. J'ai senti que ça m'a touché. Lui savait très bien qui j'étais. Ce qu'il était venu faire et ce qu'il allait me faire endurer. Tout était noir sauf l'appartement. Il avait laissé la lumière allumée comme pour dire... Viens voir ce que j'ai fait. Vous pouvez me parler d'elle si ça vous soulage. Elle s'appelait Joséphine. Mais je préférais l'appeler Joe. Je trouvais ça plus joli. C'était une fille extraordinaire. Toujours souriante. Toujours là pour aider les autres. Si c'était encore parmi nous aujourd'hui, je pense que je serais pas là. Pensez-vous avoir fait le deuil? Non, je pense pas. Parfois, j'ai l'impression de la revoir. Pas dans la réalité, mais dans mes rêves. Et d'y avoir accès de manière volontaire. Volontaire? C'est-à-dire? C'est étrange, mais j'ai l'impression de contrôler tout ce que je vis dedans. À l'intérieur des rêves. Je ressens des émotions, et c'est que lorsque je me réveille que je me rends compte de tout ce que ça avait d'étrange. Tous ces événements biaisés qui s'annulent à notre réveil, et qui en réalité ont, je pense, jamais existé. C'est vrai que ça peut me paraître surprenant, surtout à votre âge. Et pourquoi voir ça comme quelque chose d'étrange? Bien, parce que c'est pas naturel. Pourquoi ne pas laisser faire les choses? Les accepter telles qu'elles sont? Et telles qu'elles viennent à vous? C'est pas aussi simple que ça. Vous savez mieux que moi à quel point notre cerveau peut nous jouer des tours. À quel point il peut être notre meilleur allié comme notre pire ennemi. Le pire ennemi. Ouais. À cause de ça, je dors plus. Quand enfin j'arrive à fermer les yeux, je vois des choses affreuses. Vous pouvez même pas imaginer. Je sais, Léo. Je sais que je peux pas me mettre à votre place. Mais je veux quand même vous écouter. Non. Non, vous êtes comme tous ces gens autour de moi. Vous me répéterez, oui, nous aussi ça nous arrive, mais non. Alors vous continuerez à penser que je suis fou. Vous continuerez à me rejeter, mais je lâcherai pas. Je vous parlerai d'impression de déjà vu. Je vous parlerai de Cilia Utopia.
Dure soirée. Ouais, j'ai dormi toute la journée. Il est quelle heure d'ailleurs? 18h. Un peu de repos, ça te fait pas de mal. Ouais. T'avais pas dit de t'arrêter ça? Non, non, je crois pas. Mais tu fais toujours des trucs comme ça. Hey Joe, tu veux pas te réveiller normalement, comme une sœur normale, pas faire de réflexion dès que tu ouvres ta bouche. Mais le culot. Tu fais quoi après? Je vais aller voir Thomas. Jusqu'à quelle heure? Je sais pas. Ok, bah fais attention à toi. Ça va Léon? Désolé du retard. Ça va? C'était bon? Bah ouais, mais j'étais tout seul quoi. Désolé. J'étais avec Jo, mais t'inquiète pas, je me rattraperai plus tard. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Elle va bien? Bah écoute, ouais, ça a l'air. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers? Bah je vais vous prendre un café s'il vous plaît. Ok, je vous ramène ça de suite. Merci. Sinon, tes parents, ils sont toujours au Maroc? Ouais, ouais, puis ils vont y vivre là. Okay. On voit presque plus. Ouais, là, ça fait chier ça. Ça fait chier, mais c'est la vie. Et à côté de ça, moi j'ai trouvé un travail. Donc là, c'est un peu la routine. Ok, mais ça va s'arranger, t'inquiète pas. J'en sais rien. Et si, tu verras. Tu vas reprendre tes études, tu vas retrouver un quotidien normal. Ouais, 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 j'espère bien. Oui, t'en fais pas. Ça va pas? Désolé, gros, faut que j'y aille. Je vais où? Je t'appelle, ok? Ouais. Et voilà le café. Mais il est parti, votre collègue? Apparemment. Il faudra régler à sa place, monsieur. Taxi! Taxi! Roulez, je vais vous indiquer. À la gauche. Toujours tout droit. Et vous faites quoi là? Et ma course? Oh!
va bien. Ça va. Mon grand. Oui, ça va. Rentre, tu vas prendre froid. Mamie, fallait que je te demande des conseils. Je t'écoute. Dernièrement, j'ai fait des rêves vraiment très étranges. Je dirais des cauchemars. Tu y vois quoi? Joe. J'arrête pas de revivre le moment où j'ai découvert son corps. Mais c'est normal, mon grand. Ça fut une terrible épreuve pour toi. Mais c'est pas anodin. Elle te manque tellement que tu fais tout pour la revoir. Écoute, tu as fait comme tu as pu pour tourner la page. Mais je sais que ça n'était pas facile, même si je n'étais pas toujours d'accord avec toi. Il faut que tu laisses passer un petit peu de temps. Peut-être que dans quelques jours, tu n'en rêveras plus. C'est pas des simples rêves, mamie. Il y avait cet homme aussi. J'arrive pas à distinguer son visage. Je comprends pas. Il y avait personne, j'en suis sûr. Tu en es certain? Oui, il était là. Mais si j'ai rien vu le jour du meurtre, pourquoi serait-il là aujourd'hui dans mes cauchemars? C'est peut-être ton cerveau qui te joue des tours. C'est pas une question de cerveau ou de subconscient, mamie. Il y a quelque chose qui m'appelle et j'ai aucun contrôle là-dessus. Aucun contrôle? Non, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a mon cœur qui me demande des réponses et mon cerveau qui tente de m'en donner. J'y peux rien. C'est plus fort que moi. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. T'embarques pas là-dedans, c'est pas ça. J'y peux rien, mais j'y peux pas grand-chose, la police a pas fait son travail. À travers les rêves, j'essaie juste de trouver des réponses qui me permettront d'avancer. Pourquoi tu cherches pas la vérité, mais dans la réalité? La réalité, on en perd le fil. Dans un rêve, on finit toujours par se réveiller. Léo, ça va mon pote? Ça va mon pote? Putain, j'ai cru que t'allais faire un malaise. Ça va? Ouais, ça va. Du coup, je te disais, tes parents sont toujours au Maroc? Ouais, ils vivent là-bas maintenant. Vas-y, dis-le si je te fais chier. C'est exactement comme la dernière fois. Ouais, c'est clair, ouais. Le vaisseau, il a pas changé, quoi. Non, c'est pas ça, c'est comme dans notre rêve. Qu'est-ce que tu me racontes, là? T'es défoncé ou quoi? Regarde, la serveuse là-bas, elle va faire tomber en verre. Tu m'expliques là. Voilà monsieur, votre café. Il est où? Attends. Il y a à peine 5 minutes, t'as commandé un café? T'es sûr que tout va bien? Quelle heure t'as? Faut que j'aille.
problème, votre collègue vient de partir. Je sais pas, ouais. Quand j'ai vu le fleuriste pour la première fois, je me suis dit, bah, donnez-moi vos fleurs. Le taxi était déjà passé, mais j'ai couru. Je suis soit en avance, soit en retard. Minutes se sont écoulées entre le moment où j'ai quitté le restaurant et le moment où j'ai découvert le corps de ma sœur. Vous m'aviez pourtant dit n'avoir aucune notion du temps à l'intérieur de ce rêve. Je sais. Seulement tout ce que je vois et tout ce que je vis dans mes rêves, je l'ai déjà vécu. J'ai déjà vu tout ça. Je sais ce qui va se passer, je sais où on est, je sais quelle heure il est. Et ce jour-là, entre le moment où j'ai décidé de quitter le restaurant et le moment où je suis arrivé à l'appartement, 30 minutes s'étaient écoulées. Pas une minute de plus. Comme si c'était séquencé, comme si c'était prévu. Vous me croyez pas, hein? Si, bien sûr que je vous crois. J'essaie seulement de comprendre et de me mettre à votre place. Mais c'est compliqué pour moi. Et cet homme, alors? J'arrive toujours pas à distinguer son visage. Si quelque chose m'en empêchait. Et s'il n'existait pas? Écoutez, Léo, je veux vraiment que vous vous posiez cette question. Il faut que vous soyez le plus coopératif avec moi pour que je puisse vous aider. Là, tout ce que j'entends, c'est une suite d'incohérences auxquelles je peux vous apporter malheureusement aucune réponse. Il faut vraiment que vous sachiez si oui ou non, ce jour-là, il y avait cet homme dans la réalité, ou si ce n'était que le fruit de votre imagination. Vous m'entendez? Léo? Quand je suis dedans, je contrôle absolument tout. Je vis tout. Je ressens tout. Il n'y a pas une once d'hallucination. Si vous le dites alors. Et où est-ce que vous allez comme ça? La séance, elle n'est pas terminée. J'ai plus rien à faire ici. Mais non, mais pas du tout. Au contraire, je suis là pour vous écouter. Et peu importe ce que vous me direz, je suis là pour ça, moi. Vous pensez que je suis fou, c'est ça? Non, j'utilise pas ce terme ici. C'est fou. Vous êtes comme tous les autres, vous pensez plus à me juger qu'à m'écouter. Non. Vous n'avez ni l'intelligence pour me comprendre, ni la compassion pour vous mettre à ma place. Écoute, Léo, on a cette conversation toutes les semaines, et toutes les semaines, tu me reproches les mêmes choses. Comme si je te voulais du mal, et comme si je te voulais ta perte. Vous me tutoyez maintenant? Parce que je veux t'aider. Et contrairement à ce que tu penses, je suis pas ton ennemi. Je veux t'aider à avancer, à franchir cet obstacle. Cette tragédie qui a bouleversé ta vie. T'es pas fou, Léo. T'as simplement besoin d'aide. Vous diriez quoi aux autres? Pour leur expliquer qui je suis. Je dirais simplement que t'es un garçon qui a soif de vérité et qui est impuissant face à ce qu'il traverse. Et c'est ça, la vérité. Tu contrôles rien. C'est faux. Je contrôle. Je comprends, j'agis. Te mens pas à toi-même. T'es impuissant face à ça et tu le sais mieux que personne. L'impuissance est un terme que j'utilise jamais. Thank you.
Ça va? Ouais, enfin, ça pourrait aller mieux, quoi. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas avec lui. Il a besoin d'aide et j'arrive pas à lui en donner, quoi. Mais c'est un gamin. Et justement, il a cette sorte d'incapacité à distinguer ses rêves de la réalité et j'arrive pas à le cerner. Et je pense pas qu'il soit malade, mais il y a quelque chose et c'est certain. Tu penses à quoi? À la fac, je me souviens d'un article sur des personnes capables d'être comme conscientes dans leurs rêves et d'en sortir des informations. S'il est utopien? Oui, c'est ça. Tu sais, à cet âge-là, la distinction entre le réel et l'irréel est encore très peu définie. Si tu ne fais pas quelque chose, il va s'y perdre. Ouais, enfin, j'en sais rien, je sais plus. Il a l'air si démuni, et en même temps, si sûr de lui. Je te promets de trouver celui qui t'a fait ça, Joe. Je te promets. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Quoi, j'ai pas le droit d'être là? Quoi, tu me suis, c'est ça? Non. On va pas s'embrouiller, on est là pour les mêmes raisons. J'ai rien à te dire, Paul, arrête tes conneries. Je rêve en ce moment. Tu veux quoi, juste? Accouche. Je veux juste t'aider. T'as de l'argent, toi, maintenant? Je veux m'aider à quoi? Abruti. T'as toujours eu quelqu'un de mauvais en moi. Je l'ai jamais été. Jamais. Ah ouais? T'es sûr de toi? T'entends quoi par là? Oh, t'entends quoi par là? Oh! T'entends quoi par là? T'entends quoi par là? Quand je découvrirai la vérité, t'as intérêt à être loin. Voilà ce que j'entends. Ça veut dire quoi ça? Tu penses vraiment que c'est moi qui a tué Joe? Prends-moi le contraire alors. Pendant 2 ans, c'était mon rayon de soleil. Je l'ai aimé. Elle était là pour moi. Je suis fier en tant que toi, tu sais. Je pense pas, non. Si tu sortais un peu de ta bulle, tu saurais que j'étais même pas en France quand c'est arrivé. T'as qu'à demander aux flics? Eux, ils ont les preuves. Tu vois? Si t'arrêtais de te monter la tête tout seul, t'avancerais peut-être plus vite dans tes quêtes de vérité. J'ai pas besoin de toi, moi, pour comprendre ce qui s'est passé. Tu vas revenir vers moi bientôt. T'auras besoin de mon aide. Et à ce moment-là, t'arrêteras de nous manquer de respect. À Joe et à moi. Je me débrouille très bien tout seul. Laisse-moi tranquille. À comprendre. Comprendre quoi? Comprendre quoi? Comprendre quoi? Comprendre quoi? Peu importe ce que tu feras, tu pourras essayer de la sauver autant de fois que tu rêveras, mais le passé te rattrapera toujours. Thank you.
C'est Léo. C'était moins long que ce que je pensais. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Tu vois, je te l'avais dit. Qu'est-ce que tu veux? C'est une demande un peu spéciale. Vas-y, dis toujours. Faut que tu me trouves un flingue. Un flingue? Pourquoi tu veux un flingue? Je rêve en ce moment. Tu l'as dit toi-même. Et alors? Alors je t'expliquerai. Trouve-moi ça. Ça m'aidera peut-être à découvrir la vérité. Mais... Fais-moi confiance. Trouve-moi ça. Et rappelle-moi. Mais qu'est-ce qui... Passe. Putain. Ça recommence. Retournez pas. Putain Léo, mais qu'est-ce que tu fais dans ma voiture? T'es malade ou quoi? Ah, vous le pensez finalement. Qu'est-ce que tu veux? Des réponses. À propos de quoi? Si Léotopia. On n'est pas envie de mêler, c'est ça? Vous ne croirez jamais. C'est juste que c'est trop tôt pour en parler. Vous savez, quand on s'y plonge, on finit par découvrir tous les secrets. Voir tous les détails. Vraiment tout? Non, pas encore. Qu'est-ce qui manque? Je sais pas. Il y a cet homme aussi. Il sait pertinemment que je vais être au millimètre près. Alors quand j'essaie de changer l'ordre des choses, il se volatilise. Il disparaît. T'oublies un détail. Lequel? Ce ne sont que des rêves, Léo. Des images que ton subconscient t'envoie. Des images de tes peurs, de tes fantasmes. Et je sais ce que tu vas me répondre, que tu contrôles tout. Et c'est le cas. Non. T'es tellement omnibulé par tes désirs de vérité que t'en oublies de distinguer tes rêves de la réalité. Et peut-être que t'en es même plus capable. Et t'es tellement allé au bout de ce que t'as commencé parce que t'as peur de découvrir la vérité, parce que t'as peur de toi-même. Pourquoi j'aurais peur? T'es le seul à pouvoir répondre à cette question. Il y a autre chose. Tu vas me tuer? Non. Si j'admets que vous avez raison, avec Silotopia, est-ce qu'on peut se faire absorber par ses rêves et avoir l'impression de se réveiller même si on est toujours dedans? T'as déjà la réponse à cette question. Non. Si. Tu l'as pas encore comprise. Et comment je fais pour savoir alors? Les mains sont des parties du corps, difficiles à reproduire dans le subconscient. Si t'as du mal à les voir, si t'as des doigts plus que la normale, c'est que t'es pas réveillé. Tenez. Ne l'ouvrez que si vous avez plus de nouvelles de moi. Qu'est-ce que tu prends? Salut. Tu l'as? Tu vas en faire quoi? Je compte faire ce que j'aurais dû faire il y a très longtemps. J'espère que tu sais ce que tu fais. T'en fais pas, va. Et excuse pour la dernière fois, je le pensais pas. Ça sert à rien, c'est déjà oublié. Tu vas faire ça pour elle? Je l'ai aimé, Joe, tu sais. Je l'ai énormément aimé. Et t'es le seul à pouvoir trouver la vérité. Nous, on s'occupera de la réalité. Donc, s'il te plaît, fais-le. T'es le seul à pouvoir le faire. Je te ramène un nom et un visage. Léo? Quoi? Merci. Tu me remercieras plus tard.
Les mains sont des parties du corps difficiles à reproduire dans ce poisson. Si t'as du mal à les voir, c'était pas réglé. Ça va, Léo ? Comme dans exactement 30 minutes, je vais se faire assassiner. Très bien. Non, j'ai rien à t'expliquer, juste essaye de m'écouter. Ok, d'accord. Ne me pose pas de questions, j'aurai pas de réponse à te donner. Même moi, j'en ai aucune. Observe simplement. Regarde-moi. Dans 15 secondes, les gars qui sont derrière toi vont traquer tous ensemble. 10 secondes plus tard, je vais recevoir un message de Joe me disant de rentrer. Au même moment, la serveuse va retomber à un verre. Et quand je partirai, le serveur m'apportera mon café. J'ai déjà tout vu, t'as juste à me faire confiance. Putain, mais je comprends rien. N'essaie pas de comprendre, ressens. C'est quoi ce bordel? Observe. Comment t'as fait pour prédire tout ça? Je l'ai déjà vécu. Tu vas où? Sauvez Joe. Déjà avec toi? Non, surtout pas. C'est jamais arrivé ça. J'ai pas envie que mon passé me rattrape. Faudra quand même que tu m'expliques un jour. Un jour peut-être, ouais. Là, toi, rentre dans le restaurant. Non, je veux juste t'aider, Léo. Non, rentre dans le restaurant, je te... Pourquoi? Mais tu peux pas modifier mon passé. Si tu le fais maintenant, il y aura plus personne à sauver, ni Joe ni moi. Je rentrerai pas dans le restaurant tant que tu m'auras pas expliqué, Léo. Tu veux pas comprendre, hein. T'as pété un plomb. Peut-être bien, ouais. Mets-toi dans un coin.
Dis-moi ce qui m'empêche de te faire basculer. Moi, tout simplement. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Je fais la même chose que toi, Léo. Que tu comprennes enfin la vérité. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Ce qui t'apporte à toi m'apporte à moi. Si tu fais ça, tu connaîtras jamais la vérité. Pas grave, je recommencerai. Recommencer quoi? Ce putain de rêve! Je ne sais plus, c'est terminé, Léo. Nos deux personnes se sont rencontrées. T'entends? Enfin, plus qu'un. De laisser paraître. Je t'ai battu. J'ai réussi. Dans tes rêves peut-être, mais pas dans la réalité, Léo. Tu t'es laissé avoir par tes rêves. Tu pourras pas rattraper le passé. Je l'ai sauvé. T'en es sûr? Joe, réponds-moi. Thank you.
Léo. Allez, on y va, Léo. Léo.